Ça Jeroboam a fait, c'est lui l'a occupé. Il pas fait en rien. Les seuls corps qui étaient dans le canton, eh ben pas gain monde qui a posé la question vient entendre. Oh salut, c'est un colonie qui vient porter parole le vient dans 1 roi chapitre 13 et 14. Côté but sujet, c'est conséquences des péchés de Jeroboam versus le vieux prophète. Conséquences des péchés de Jéroboam versus le vieux prophète. On prie pour nous capable commencer vidéo ça. Les dames toi Shaddai dans moment ça moi venir encore devant pied bénion pour capable chercher présence ou. Moi m'en dois avoir paraclet cet esprit capable couvrir moi de façon capable battre peuple dans le juste et moi pour capable trouver pour nan moi. Moi pour ça c'est pas parce que moi bon dit mais c'est par mérite petit ou Yeshua qui viterait au siècle des siècles. Amen. Donc oui, salut, c'est encore même l'oni qui vient porter parole le vient dans 1 roi chapitre 13 et 14, côté du sujet, c'est conséquences des péchés du roi Jéroboam versus le vieux prophète. Donc, tu as fait dans la Bible, Gédéon, comme d'habitude, et puis parallèle, tu as fait dans l'autre Bible. Donc, dans le premier verset, dans 1 roi chapitre 13, il dit que voici un homme de Dieu, ça veut dire qu'il y a un prophète, qu'il y a un prophète, qu'il y a un voyant dans le temps, arriva de Juda à Bethel par la parole de El Shaddai pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums. On dit que t'es grand schisme, t'avais dit que t'es grand déchirure, t'es grand dissolution, t'es grand séparation entre les tribus. On dit qu'on y a là, il y a deux camps, tribu du nord et tribu du sud. Tribu du nord, là, t'es grand 10 tribus. C'est Jéroboam qui a la tête. On dit Jéroboam, c'est ancien chef de corvée dans le royaume Salomon, qui était parti en exil en Égypte, qui retournait après la mort de Salomon, qui était réuni avec le peuple pour te demander Jéroboam, petit Salomon, grâce pour le peuple qui n'a pas accepté, et il vient proclamer le roi du Nord, qui c'est les 10 tribus du Nord. Et puis, qu'on a la Jéroboam encore, on dit c'est petit Salomon, ça veut dire que qui vient contrôler les tribus du Sud, qui c'est la tribu de Juda, côté tribu de Benjamin, avec tribu de Juda, t'es fait Youngren, en complicité avec quelques lévites qui étaient faufilés dans le temps. Bon, alors juste. Donc, qu'on est là, alors il dit que y a un prophète sorti dans Juda. Ça veut dire que dans la tribu du sud là, il sorti, il marchait, il sorti dans la tribu du sud là, qui ça veut dire que côté Jéroboam m'a commandé jusque vers Bethel dans le plus dans le nord pour la vine Jéroboam, Jéroboam pour bail on annonce. Donc, l'a annoncé un bagage sous hôtel que Jéroboam t'a fait. Nous avons 1 roi chapitre 12 ans et nous avons verset 25 ans, du verset 25 au verset 33. Nous avons que Jéroboam, pour capable de trouver bonne grâce dans mes peuples, t'a fait deux veaux pour capable adorer parce que les peur pour dans l'époque sacrificielle, là, pour ne pas tourner dos Bali, pour ne pas être côté Jéroboam. Pour qui ça? Par peur, par orgueil. Yon bagarre que El Shaddai fin fo kado, yon déchirou que le fin fait avec pop men, donc moi-même avec vous, j'ai chargé, n'a pas continué. Donc, nous voyons que, et prophète, ça allait même l'été paraître devant devant Jéroboam, pendant que Jéroboam t'a brûlé parfum pour qui moun pas pour El Shaddai, c'est pour divinité de Beyo que l'été fait. Et bien, dans verset 2, et prophète, ça qui c'est homme de Dieu, ça voyant ça, et même t'a crié, il dit contre l'autel, il dit par la parole de El Shaddai, et il dit hôtel, hôtel. Ça veut dire que hôtel, côté monsieur était campé, a fait sacrifice. Il dit ainsi par le El Shaddai, voici, c'est bagay ça m'en voulait pour nous capable accentuer sur lui. Il dit voici, meni, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Pour qui ça le dit ça? Eh bien, pour nous capable bien comprendre l'histoire, ça, faut que nous t'avons allé dans 2 rois, chapitre 23, qui pour nous tout bagarre ça, côté nous voyons que t'es un roi et qui était dans lié Juda. Alors, le roi, ça a été relé Josias. Côté lui-même, il dit que Josias, ça, si nous lisons 2 rois chapitre 23, là, dit nous que Josias, ça, t'es ratiboisé depuis ces hôtels malhonnêtes qui t'es gagné dans la zone, non? Eh bien, côté lui-même, il te prend un paquet de cadavres qui t'es gagné et puis il te mette là-dedans pour te capable remplir. Et côté t'es gagné, tombe homme de Dieu, ça,
et de prophète, ça y est, prophète malhonnête, vieux prophète là avec l'autre prophète qui te bail nouvelle là, qui était toujours là dans tombe et puis qu'il que te dit pas déplacer. Donc s'il vous plaît, si nous besoin comprendre affaire Josias à lit de roi chapitre 23, là ba nous toute explication honnête par rapport à détail ça. Donc m'a dit nous un petit baga aussi, nous m'a dit que les prophètes Shaddai là t'est venu pour l'a dit qui ça pas le passé hein. Il pas dit que t'es gonti bonhomme, il pas dit t'as gonti monsieur. Li bay non hein, li dit leur juste li dit ap gen un petit bonhomme qui sorti dans la maison de David dans lien qui a prélé Josias. Li pas dit que ni petite ça ni fils ça ni monsieur ça, li dit Josias. Ça veut dire que nous dit que nous songe que Yeshua Jésus te dit comme ça que li konn tout petit yo et puis li konn non yo. Li konn comment relé, li konn koto habiter. Moi songe encore que mal en Haïti et puis bagarre en 89 ou 90 l'homme rivé et puis gon monsieur qui t'a besoin prier pour moi, il t'a demandé ma adresse, moi dit non et toute jeune m'a dit ah adresse moi El Shaddai konnen. Donc li konnen. Donc moi même avec vous je vous dis El Shaddai konnen nous pas non nous, nous pas capable bali menti. N'a pas continuer et faut parallèle au fait. Donc et c'est comme ça que et prophète quand il vient prophétiser contre hôtel là et puis n'a suivre vous nous ça passer dans verset 3 dans 1 roi chapitre 13 verset 3 il dit et le même jour il donna un signe en disant c'est ici le signe que El Shaddai a parlé voici l'hôtel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Ah ça veut dire que prophète ça lui-même homme de Dieu ça et mais homme El Shaddai ça lui-même c'est contre il devine juger il pas peur rien. Ça veut dire que il connaît que qui ça que El Shaddai veut le faire et ben il est très fier aussi parce que c'est la fierté aussi et c'est même fierté ça qui pral causer la mort. OK et puis tout autant que le sentir fier pour le faire ça le faire là mais autant que le naïf n'a pas continué. Alors lorsque verset 4 lorsque le roi ça veut dire lorsque Jéroboam moi du nord qui cap commandé distribuer ouais bagage ça mais il était commencé et que l'était ouais l'autre tape dit OK hôtel de Bethel mais tel bagage qui pour arriver mais et Jéroboam t'est vexé il avance même pour capable saisir et homme de Dieu ça entre parenthèse mais Jéroboam t'est râlé monsieur et même t'est râlé monsieur a et homme là et prophète là mais non mais Jéroboam te vinn séché et ben verset 5 là ben l'hôtel là te fend vraiment avec toute son nan et c'est comme ça que verset 600 Jéroboam te vinn commencer peur et ben Jéroboam te mandé et homme de Dieu ça pour te capable prier pour lui et ben il te fait ça vraiment mais il te retourné dans place li et côté dans verset 7 là et ben il te trouvé que il te senti coupable il te mandé homme de Dieu ça mais vinn la comment pour capable baou un cadeau pour son faire m'pa connais si son piège m'pa connais je ne sais pas j'étais pas là mais verset 8 là homme de Dieu en te parle avec lui il dit comme ça que quelque chose ça t'a moi m'pa jamais vinn la caillou parce que moi t'ai déjà gagné le juste devant El Shaddai qui t'a demandé me consacrer pour m'pa manger ni boire dans ma personne et ben aïe 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 nous voilà ça qui passé et ben tête chargée, moi même avec vous, en attention. Eh ben, il était prend route vers Bethel pour il était passé par l'autre chemin pour être capable de retourner la Kaili à Bethel. Et par lequel que il était passé vers Bethel pour devenir Bethel là, excusez, c'est à Bethel l'Italie, il a fait bas ça, mais il était prend même chemin, l'autre chemin raccourci pour être capable de retourner la Kaili dans la tribu de Juda parce que son message, il devine bas. Eh ben, m'a dit non petit bagage, des fois nous capable bon monde, mon dans l'évangile depuis longtemps et puis mon en perd du bonne grâce li avec El Shaddai qu'on est là l'a agi de manière mécanique. Lors de mon pas agi de manière mécanique, ça veut dire que son bagage était comme fait, en routine, il était comme fait, il continue à faire le même mouvement mais El Shaddai parle encore ou bien n'importe quoi. Mon en doit travailler dans n'importe quoi, dans n'importe domaine, mais mon pas comment je pourrais dire ça au niveau métaphysique comme si mon c'était un baronné en devin en bagatalia mon nan li même c'est sous mécanique là fait parce que c'est expérience fait pas grand encore alors tout bagabat zel yo et ben c'est bagage ça qui t'est arrivé homme ça qui que nous parle li là qu'on est là et ben nous on dans 1 roi toujours chapitre 13 verset 11 il dit oh tu avais dit que nous que monsieur ya et homme et prophète ça prophète de El Shaddai ça t'est fait route raccourci mais nous pas ça pas arrivé ça veut dire que tout le monde t'a suivi parce que pour écouter le bralé parce que bagala fait un tollé dans zone là parce que son grand événement qui vient passer alors nous que verset 11 il dit oh alors
Il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ça veut dire, nous dit encore vieux prophète, yon moun que peut-être roi Jéroboam fin acheté, yon moun que roi Jéroboam fin corrompre. Mais étant donné que l'on fait bel travail pour Echada dans le temps, alors on toujours capable de comprendre que l'on travaille pour Echada toujours, et pourtant, et son, que les sages ont baillé, si yon moun que fin acheté, yon vendu, n'est-ce pas? Et pas moi-même qui dit, nous parlons ça là. Nous voyons que, alors que, et petit Lio, c'est-à-dire ses fils viennent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel. Alors, il n'est pas qu'à marcher encore, parce qu'il était assez avancé en âge, apparemment, parce que petit Lio vient raconter qui ça vient passer. Alors, étant donné que, pour qui ça, et si nous appelons dans ligne, bagaille, entre les lignes, nous apprenons que peut-être qu'il était capable de sympathiser avec Jéroboam, un sympathisant de Jéroboam. Et nous bagaille. Donc, Et Livini là, qu'on est là, l'aller, là, le suivre, et monsieur, pour le faire retourner en chemin, pour faire bagarre. Et verset 13, qu'on est là, vieux prophète, l'amant, des petites lios, alcelé, annan, bon, mal chercher côté lié. Or, que l'été dit, et Jéroboam, que le pape mange, le pape boit, petite Livini raconte, là, le suivre. Verset 15, alors, il lui dit, viens avec moi, lui même qu'elle dit prophète de El Shaddai, ça, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Verset 16, mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau et en ce lieu-ci, parce que El Shaddai finit par la veille. Car il m'a été dit par la parole de El Shaddai, tu n'y mangeras point de pain et tu ne prendras rien. Bon, qu'on a là, verset 18. Un roi dit, et 13, 18, et il lui répondit, vieux prophète l'a dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de El Shaddai et m'a dit, ramène-le avec toi à la maison et qu'il mange. On mensonge, oui. L'iget en bas l'autre, on mensonge, ça veut dire que l'Ibal est un demi-vérité, parce que l'Idi son prophète lié, et c'est pourtant, c'est vrai, son ancien prophète lié, ou un vieux prophète, un prophète jadis lié, même j'avais chez Benadissan, ça veut dire que monsieur a agi, continue à agir, qu'on est là de manière mécanique. Ça veut dire que routine, mais il n'est pas un prophète encore parce que El Shaddai met dehors longtemps. Mais ça veut dire que son sympathisant de Jéroboam, peut-être, lui, ouais, pour une défaite, ça a dérangé. Peut-être c'est jalousie aussi. N'a pas dit ça carrément. Parce que comment faire pour sauter juste dans Judas? Pour venir là, venir parler dans ce figure là, même son prophète, moi et tout. Même bagarre, il était fait avec Jérémie. Yo. Là, Jérémie t'a parlé, tout ça, jamais, déjà, dans l'époque, Jérémie, tout équipe, ça a été fâché, parce que ça veut dire que c'est eux avec eux, Echada, capable de parler. Ça veut dire que pour sortir juste dans le sud, côté, ou à, Oboa m'a commandé pour venir là, dans le territoire, pam, pour venir dire un bagage, m'bra le fort contre Georges. Vraiment, avec vous, et vous rencontrez un série de monde, Echada parle avec vous, les deux, pas prêcher, quand moi-même, pas un prédicateur. Moi, pas un pasteur. M'pas parler dans l'église, m'en a prêcher l'évangile, non. Les bambins ont mandat pour me faire étude biblique. Les pas voyer mal fait bagarre ça. Donc ça veut dire que au monde t'avais une côté c'est l'oni. Moi veux dire moi ça c'est pas story. Moi veux dire moi ça que pour venir prêcher et pas avec moi parler bagarre rivé pour faire ça là. Moi même m'a prier Jada et moi même n'ai pas privé tout parce que moi même pas pas écouter vieux prophète qui fait mécanique qui parle dans toute bagarre. Moi même avec vous on fait attention. Et Jada finit parler avec nous et puis bingo fini là. La partie est terminée. Galates chapitre 1er, apôtre Paul ben nous des mises en garde. Galates 1er verset 1 à 6. Galates a parlé, il dit comme ça que si un ange, Galates 1er verset 1 à 6. L'apôtre Paul a parlé, il dit même si un ange t'a sorti côté le sorti pour capable vinn balion l'autre l'évangile, eh ben l'a dit il y a anathème parce qu'il connaît ça rien, c'est comment je pourrais dire ça c'est à la source, il trouver c'est l'arbre véritable. Li pa kite baga. Mwen mwen avek ou jounen jodi an, kap œuvre, ba konnen, ou fin fè rêve ou, bien ba konnen, El Shaddai fin parle avec ou, ou fin jeûne, ou fin prier pour la pou m'parle, c'est pas ça, baga. Ou même, rete conséquence, c'est ou kon relation. C'est ou kon relation avec El Shaddai. Personne ba konnen. C'est intime. Relation intime. Ou même ou konnen fin jeûne, ou konnen prier, ou konnen consécration avec. Nou ça arrive vieux prophète là. L'esprit de mensonge rentre. Ma camarade là pour le bail problème n'est-ce pas pour bail problème n'a pas continué donc nous ouais vieux prophète là venir les chambarder toute bagarre yo côté nous et bagarre pas facile hein nous ouais que dans deux chroniques 34 verset 29 à 32 côté nous ouais que et Josias t'es convoqué et tout Israël pour qu'on décimer faux prophètes Baal tout le monde ça yo parce que pour t'capable retirer problème en Israël et même c'est même bagarre ça yo
tout le monde ça comme si qu'a fait diant de ak malhonnête ça c'est de monde qui pas de soi hein de monde qui pas de soi donc n'a continuer et un roi toujours dans chapitre 13 qu'on là nous pas ça passé alors monsieur convainc vieux prophète là convainc l'autre là verset 19 il dit l'homme de Dieu ça veut dire que prophète qui t'est venu prophétiser sur Jéroboam qui t'est fait que mel t'est venu sécher qui t'est cause que bagarre l'enfant non qui t'est fait toute bagarre ça qui t'a retourné la calian et mais il retourne avec vieux prophète là parce que il dit que son serviteur de El Shaddai tout le monde c'est serviteur El Shaddai tout le monde rencontre ses serviteurs El Shaddai moi même pas connu monde qui va camper vraiment qui parle vraiment crampé pour lui dire comme ça que lui même c'est chez Benadissan bien que qu'on est là chaque monde garde pas yo hein chaque monde fier de temple chaque monde a peu comment je pourrais dire ça prêcher pour paroisse yo rien qu'on est là gain monde qui plus brave écoutez mais dans la majorité des cas tout monde fait chadapta y a servi tout monde net tout monde a servi chadai tout monde net tête chargée mais l'écouter la suivre et ben alors comme pendant que il y a table avec vieux prophète là la parole de chadai fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Ouais ça. Quand la moun yo fâché, moun yo dit comme ça que comment faire pour vieux prophète la prophétiser toujours. Oui. Nous dit que dans la souveraineté. Là on parle on dit comme ça que Dieu est souverain. Ça veut dire que il est capable de servir avec toute bagarre que le veut. Nous ouais que pour qui ça me dit que il est capable de servir avec toute bagarre, il veut. Nous ouais que dans Matthieu chapitre 26 avant que me prend Balaam. Bon. Avant que me prend Balaam, non, bon prend Matthieu 26 pour nous ba un exemple tangible et dans qui pas dans nouveau dans l'Ancien Testament. Nous capable par exemple dans Matthieu 26 verset 34, nous côté Jésus Yeshua t'a parlé avec Pierre, il dit Pierre comme ça que avant que le coq ne chante. Ça veut dire que il était utilisé un coq qui pour te chanter pour te rappeler Pierre un mal de faute que t'a pas le commettre. Parce que il t'a pas le Nil, OK? Et puis encore nous prend l'âne de Balaam aussi, n'est-ce pas? Côté âne ça t'es parlé parce que les Shada parle avec Balaam pas rentrer dans la raison nous a que bon qu'on est là il était obligé servir avec bouche âne donc ça veut dire que nous capable pour nous capable corriger les samedi hein pour nous capable mettre un poids la donne nous capable dans Esaïe pour nous parler de souveraineté de Shada Esaïe 45 verset 7 il dit je forme la lumière et je crée les ténèbres ça veut dire que lui même il a capacité pour capable et contrecarrer toute bagarre il dit j'ai fait toutes ces choses moi Yahvé il dit moi même moi créé toute bagarre ça veut dire que il est au-dessus de toute bagarre ça veut dire que il est capable d'utiliser tous les éléments toute bagarre qui dans nature pour le faire salver il utilise un coq il utilise bagarre et nous ta capable il dit comme ça que de ces pierres si il est capable susciter des enfants Abraham pas oublier ça donc ça veut dire que il est capable même faire un roche parler il est capable utiliser tout ça le veut donc ça veut dire que prophète non c'est ton vieux prophète lié capable agir de manière mécanique de par routine mais et j'adore utiliser parce que il était comme ça il faut des besoins passer il utiliser comme un relais comme je sais pas moi un tuyau un bouchon un bagarre donc ça veut dire que l'utiliser ça le veut c'est pas parce que pas de connivence avec El Shaddai mais avec lui mais c'est parce que il voulait utiliser même genre nous était le ça il était dans mal de faute avec David et ben il était besoin à décimer David au moment de la durée dans bagarre caverne d'Adulam et ben El Shaddai était fait rentrer parmi tout prophète qui a prophétisé pour oublier ça il t'a fait pour David déjà bien pour lui donc c'est des affaires de même il a utilisé n'importe monde alors on pas capable de dire que oh monde ça c'est bon oh monde ça c'est adapté ou bien j'ai dit ça il pas capable un message El Shaddai a utilisé il peut utiliser n'importe quoi. Moi avec vous toute bagarre au fond songe nous dit que pour dans qui condition nous capable dire ça c'est parce que lui même c'est dans sa souveraineté. Il est capable d'utiliser ça parce que son souverain. N'est-ce pas? Donc, m'a continuer. Donc pas facile. Alors monsieur lui même il fin boire fin manger qu'on a là l'autre vieux prophète là c'est les Anne Bouli parce que il fin bali leur juste de El Shaddai. Même l'impression que prophète là lui même il fin manger, il est tellement sûr de tête lui. Il était tellement sûr de relation avec El Shaddai pour lui-même il pas pensé que moi-même mon pas assumer pour qui ça parce que s'il était pensé que parce que en lien à travers les lignes s'il était pensé que El Shaddai t'a fait l'embarras peut-être qu'il était capable prier jeûner peut-être pour être capable demander le grâce même Jean Wani ni vient te faire il pas fait ça et vieux prophète lancer les Anni pour lui et puis il monte elle. Ça veut dire que ah je suis un prophète ça veut dire que ça parle avec moi même peut-être moi même avec quoi qui te regarde nous pas jamais trop collé avec El Shaddai
pour ne pas capable perdre en grâce non même. Et nous il était visité Salomon deux fois, Salomon était victime quand même parce qu'il était commet un mal de faute, parce que pas oublier, il dit que celui qui se croit debout, hein, m'a toujours dit ça moi même avec on qui était péché. Moi pas bon nous tout c'est faut n'a fait que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Moi même avec vous c'est des pécheurs, des mortels nous y est. Pas penser que nous trop convertis parce que depuis ce monde nous c'est nous même nous trop holy, nous trop spirituel parce que depuis ce monde que nous pas qu'à tomber. Que nous trop oh non même pas vle monde vienne dire rien, pas vle monde ba moi petit message. Oui, me faut dire ça au début. Ou faire vous ou connait consécration avec El Shaddai, OK. On monde vienne ba un message, à prier sous lui, pas courir à le faire, à prier sous lui. Mais pas quitter orgueil pour dire que monde pas capable au message, c'est pas ça me dit, mais ils disent sont des esprits pour nous raconter au sorti. Leur juste c'est pas comment on dit ça. Moi pas défaite samedi au préalable pour me dire que ou qu'on consécration avec El Shaddai. Parce que nous pas connons monde et puis monde pas arrêter ba nos messages nous qu'en prendre. Non, ça se fait pas ça se fait pas ainsi. Bagayo faut que nous passer au creuset de la raison. Faut nous prier parce que dit nous sont des esprits. Les mêmes mettre bagarre dit sont des esprits pour nous n'a laguer quoi nous comme ça. Mais non. Nous pas faire comme ça. Donc n'a continuer et qu'on est là c'est comme ça que et qu'on est là 24 l'homme de Dieu prophète là s'en alla et il fut rencontré par le chemin par le lion qui le tua. Un lion tué. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tenait à côté du cadavre. On voit ça et lion tué. Mais El Shaddai voulait pour yoel même pour capable trouver pour bagarre capable réaliser parce que il dit que au compte ça passé pour mal de faute qu'on commet là yo pas enterré au la caillou. On pas enterré là parce que c'est l'offre faute l'onté d'ou pas retabetel mais dans zone ça là on pas enterré parce que moi voyez ou moi ba ou modalité ou gantan ouais que c'est moi même qui vaut vraiment parce que ça que me dit qui pas réaliser en fait mon pas coûter même bon dada on pas caler il tuel et puis lui on couché bon côté lui on pas manger cadavre là lui on pas touché an qui était sous lien il pas baga pour qui ça parce que El Shaddai voulait qu'on était voulait pour servir avec Anna pour vieux prophète là débarrasser le connait là bruit courir nouvelle gaillé vieux prophète là entendre nouvelle là parce que il connaît ça il te fait la de mettre oreilles à l'écoute n'est-ce pas pour capable tendre qui ça qu'a privé et ben c'est qu'on ça te prend chemin avec Anna avec quelques monde. Et ben il était allé dans zone non vraiment il était well sous même âne qui était transport que le TC les pour te transporter prophète là c'est sous même âne ça il mettait cadavre là et puis il était gon sépulcre vieux prophète dans gon sépulcre que le t'ai fait et déjà et ben il mettait et prophète là dedans n'est-ce pas et puis qu'on a là il mandé petite lui OK vous mourir c'est dans cave ça pour nous enterrer. Et c'est cave ça m'a dit nous dans 2 rois chapitre 23 que Josias s'est trouvé il dit pas manen. Pas moi un cas ça parce que c'est prophète ça qui t'est gênant prophétiser sous moi qui t'est bah en vision eschatologique en vision future que m'bral roi que m'bral décimer toute bagarre ça. Ça veut dire que la parole de El Shaddai ne restera pas sans effet. La paix avec le juste. Moi avec vous son privilège pour nous servir un si grand Dieu un Dieu qui n'est pas menteur, il pas bail monde demi vérité, lui même c'est vérité absolue, leur juste en service au grand roi, allons à la source et puis en éviter puis la paix avec, parce que nous disons ça que El Shaddai c'est l'arbre véritable. Eh ben nous dit que c'est lui-même c'est la source. Eh ben en a là dedans en a puisé nous dit chez Abijah 17 c'est un innovateur, c'est bagage là déjà que l'utiliser même avec vous le juste. Chaque monde prêcher pour paroisse le juste. N'a pas continuer. Donc prophète l'a mouri. Il mouri enterré. Donc verset 33 dans 1 Rois chapitre 13 33 il dit après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Ah, Jeroboam moi que c'est victoire pour lui parce que je vote pour lui, je vote m'amène, mais il fin fait même sécher, il fin fait tape moins fun, il vient blaser devant mon là, mais bon mais vieux prophète là rati boisel pour moi. Ça veut dire que il passé, il utiliser astuce pour le bagage. Donc ça veut dire que moi même moi capable d'aller, c'est comme ça que ouais, Jeroboam perdu la ville tout et à la casserole et force la force de l'âge, il dit que il continue à frapper avec prêtre lui toujours. N'est-ce pas parce que nous songeons que dans 1 roi chapitre 12 il était utilisé n'importe qui pour capable prêtre pour lui il pas choisi les lévites directement contrairement à la loi mosaïque et au mise vote et au règlement que El Shaddai était bail que c'est les enfants de Lévi parce que il était faire le Jean plutôt donc nous c'est consacré il était mort nous dit que il dit que dans 33 événement passé Abraham toujours fait même bagaille et ben
Verset 34, il dit encore, et ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite au-dessus de la face de la terre. Ça veut dire que Jéroboam fait un pile mal de faute, mais Shaddai pas prendre dans même. Ben, c'est concernant 1 au chapitre 14, qui a continué, il sera Jéroboam, non, toujours. Alors, dans ce temps-là, il dit que Jéroboam, t'es continué à avoir un problème, n'est-ce pas? Jéroboam, a un petit lit, et dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, il était un petit qui était Abijah, et même petit là tombé malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es ma femme, vas-y à Shiloh. Mais mes amis m'a dit non, tibaga. C'est pas moi-même qui a dit, m'a pas assumé, et moi-même, bon, m'a dit, m'a pas assumé parce que l'in en Bible, mais moi-même, à travers ces écrits-là, n'a pas que n'a servi un grand roi. Nous voyons que Jéroboam a servi N divinité, un paquet de divinités que l'a servi. Et c'est pas moi-même qui dis, nous sautons là. Côté Jéroboam, qu'on y a là, petit Jéroboam tombé malade. Li mandé madame li pour le déguiser, pour aller à Silo, pour la rencontrer un prophète de El Shaddai pour guérir petit là. Mes amis, matin là, m'a parlé avec un monde, m'a insulté, mais m'a dit que je m'a servi El Shaddai puis malade dans mes, il n'y a pas qu'à comprendre ça. Et même moi-même, m'a parlé de Jéroboam, m'a dit pas besoin qu'on ait de ça, parce que lui-même, s'il te gon problème, comme ça, lui-même, il connaît qu'est-ce pour t'arriver. Moi-même, avec aujourd'hui, je dis, Jéroboam, t'es gagné toute ressource dans même, toute ressource chez Obéjadis en amène. Et bien, là, aller là, le creuser, il n'y a pas de joindre de résultat. Parce que, gagné, moi-même, moi, dis encore que El Shaddai, c'est créateur de tout esprit et de toute chair. C'est ça que fait relé chez Obéjadis en prince de ce monde. C'est pas moi qui relé le comme ça, c'est Jésus, Yeshua, qui te relé le dit, le prince de ce monde est descendu. Ça veut dire que moi-même, avec vous, c'est des princesses, parce que c'est créature, nous y est, amène. Chez Obéjadis, c'est créature lié. Moi-même, avec vous, c'est créature. El Shaddai, c'est créateur de tout esprit et de toute chair. Ça veut dire que son créature lié, ça qui différencie de moi-même avec vous, c'est parce que lui-même, il gagne des œils. Il gagne un œil que nous pas gagne. Nous-mêmes, nous créons de substances. Nous faisons partie du fini. Lui-même, son esprit lié, il fait partie de la évoum. Ça veut dire que son esprit lié, il pas qu'à finir, c'est mettre lui qui pour décider s'il a fini. Son éternel lié, son esprit éternel. Bon. Alors, ça m'a dit dans ça. Jéroboam a adoré un esprit. Ça veut dire un nom d'esprit. Je ne veux dire un petit Jéroboam malade. Jéroboam obligé à tourner d'eau pour la faire madame Nial déguiser pour la côte prophète de El Shaddai pour chercher guérison pour petit. Même avec vous, mes amis, au lieu d'aller à la, au lieu d'aller au puits, vas-y à la source, l'heure juste. Ma prêche pour paroissement, c'est droit, c'est devoir. Et c'est vrai, c'est pas vous et monté ma fait bagarre là, et nous, ouais, et nous capables. Alors, là arrivé qu'on y a là, moi côté bagaille, qu'on y a là les verset 3, prends avec toi 10 pains, des gâteaux, qu'on y a là pour comme si pour aller pâter homme de Dieu parce que homme de El Shaddai lui-même il grand goût pour le bal pain avec bagaille. Il pas connu qui est. Verset 4, la femme de Jéroboam fait sa mari le dit. Là aller à Silo, là côte Ahijah et nous songer c'est Ahijah qui t'a dit Jéroboam, qui t'a crié. Là, elle t'a rencontré Jéroboam au cours de la route pendant qu'elle t'a sauvé pour capable de fuir Salomon. Parce que nous dit c'est chef de corvée, Jéroboam. Là, ça, t'a crié. Ahijah dit, Jéroboam m'a crié, je veux dire, comme pour ça m'a crié, parce que, ou pral le roi en Israël, et ça a déchiré le royaume, non, mais Salomon. C'est eux-mêmes qui pral responsable distribue. Mais on comme pour ça m'a crié, parce qu'on pral mettre le peuple à la perdition, ou pral faire adorer d'autres divinités. Eh bien, c'est ce Ahijah là. Ce prophète-là, qui on est rentré en âge, côté la force de l'âge aveugle les yeux, c'est ce prophète-là que monsieur pralé côté, qu'a voué madame Nicotel pour qu'elle cherche bonne grâce dans mène, pour, de façon à ce que bagaille soit capable de rentrer dans l'autre. Donc, il est arrivé vraiment, il faut qu'on paraître. Le prophète-là dit comme ça, madame Jéroboam, mademoiselle saisit, mademoiselle dit, gardons des fêtes. Alors, Et il dit comme ça que oh vinn là ou vinn chercher nouvelle am pa gen bonne nouvelle pour du tout. Ça c'est Ahijah dit ça le vieux prophète qui commence à faire l'âge là. Il dit va dire à Jéroboam verset 7. Va dire à Jéroboam 1 roi chapitre 14 verset 7. Va dire à Jéroboam ainsi parle El Shaddai le Dieu d'Israël, je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chez mon peuple, j'ai arraché le royaume de la main de David mon baoul tout bagay sa yo, mais je ne veux dire on ferme des bagay. Verset 9, tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été devant toi, tu es allé faire et d'autres dieux et des images de métal fondu pour mériter, et tu m'as rejeté derrière ton dos.
ou je t'aime des deux chaque fois nous virer nous quitter le chadai nous vite dos nous bali et mais il pas prendre dans nous parce que il dit nous ça et carrément que lui même c'est un dieu jaloux. Il dit que il est jaloux de Deutéronome 6:15, je suis un dieu jaloux. Alors pas prendre ça dans nous, pas prendre dans nous, pas prendre dans nous du tout. Moi même avec vous mes amis et nous dit que en adorer, en adorer, en honorer, nous capable honorer n'importe monde, nous capable honorer n'importe monde. Il pas de problème pour honorer monde, toujours n'a pas honorer monde, mais honorer pas adorer. La paix avec moi même avec vous l'heure juste, n'a exhorté en toute sagesse, l'heure juste. Parce que nous toutes gagne dérapage, nous toutes gagne un type gagne dans nos carrefours, nous toutes gagne un code de route qui gagne un croche là-dedans. Mais moi même avec vous en ouest n'a quitté chercher pour pas dans problème même j'avec Jeroboam, l'heure juste. Donc on va continuer, il dit que un roi chapitre 14 dans verset qui ça dans verset 10 il dit voici pourquoi je vais faire venir le malheur li bali le juste li bali raison qui fait que li pral frapper dadal il dit que c'est parce que il dit comme ça que ou fait des bagages dans Dieu qui pas de soi il dit que Jéroboam m'en pral balayer car m'en pral nettoyer car comme les autres du coup des poubelles des fatras m'en pral nettoyer garbage trash jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Il dit garde m'bal font lavage en gilette. Ratiboisi, m'bal fait déluge descendre. Ravage, c'est pas déluge, il dit non, pour pas dire celle-là, il dit consacrer déluge à descendre. Ça veut dire que on façon de parler, il parle déblayer, il parle faire descendre, il parle faire gargote, il parle craser briser. L'verset 11, celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Il dit bah Jésus, si on monde là caou baga n'a pas mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Nous songe baga à Akab parce que c'est descendant et Jéroboam hein. Akab tout ça nous songe ça qui est arrivé hein. Écoutez et pour situer devin des champs bagage et puis les chiens. Nous on baga on a venu et là on avancé n'a pour bagage ça ça veut dire que c'est des prophéties des visages des prophéties des bagages eschatologie vision eschatologique ça veut dire que vision future qui blaï sous kay moun ça. Donc nous que et il dit fi à la caillou il dit madame la caillou à la caillou al tan petit tout pral mourir et puis dit l'arrivé à ba madame maou et le juste pour moi et ben femme n'est arrivé vraiment aussitôt que le met pied devant faire le faire porte là même Ahijah te dit et ben nous que gain plusieurs vieux prophètes Ahijah c'est ton vieux prophète mais lui-même il pas agi de manière mécanique quand coule l'autre vieux prophète ça qui était introduit l'autre bon prophète ça dans malheur hmm pas dit tout ancien non mais ancien qui a pas agi toujours sous puissance métaphysique bagay doté de pouvoir surnaturel El Shaddai mais gagne toujours que c'est qui est capable de manière mécanique alors Ahijah lui-même c'est pas une qui t'a agi de manière mécanique ni pas ça veut dire que pas routine mais il était campé sous grâce El Shaddai tout sous puissance quoi que aveugle puissance El Shaddai tu vas manifester dans lui-même il pas t'a agi de manière mécanique de manière routinière. Mais donc on a continué. Donc nous voit que c'est ça qui est arrivé vraiment toute bagarre était passé vraiment j'ai été supposé passer Israël et bagay était passé mal pour Israël mais Shaddai était frappé tada Israël et verset 17 il dit 1 roi 14 17 il dit la femme de Jéroboam se leva et partit et puis elle arrivait vraiment toute bagay était bagay petite là mouri vraiment et c'est comme ça bagay Ahijah était passé et bien verset 19 il dit le reste des actions de Jéroboam comment il fit la guerre et comment il régna cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques donc chroniques c'est lui-même qui bat toute histoire royale comment ça s'est passé et bien Jéroboam était passé à la casserole il était régné verset 20 1 roi 14 20 pendant 22 ans puis il était couché avec ses pères et puis Nada son fils régna à sa place et il était tout profiter parler aussi de un peu de Jéroboam parce que c'est deux rois ça t'a prié on ensuite il y a non dans le nord donc on finit avec les 10 tribus qu'on y a là côté roi Jéroboam t'a dirigé qu'on y a là nous on prend la tribu du sud pour nous voir comment Barayou a marché pour Jéroboam côté dans verset 21 qu'on a là parlé de Jéroboam qui a dirigé sud là les mêmes petit Salomon les mêmes était régné pendant et il était 41 ans et mais il était régné pendant 17 ans à Jérusalem les mêmes tout t'a fait pas tout n'est-ce pas et 22 il fait aussi et ceux qui étaient mal aux yeux de Shaddai et parmi les péchés qu'il commit il excitait sa jalousie puis qu'avait jamais fait ses pères il bâtit avec eux des hauts lieux avec des statues ça veut dire que Jéroboam a frappé dans zone sud dans l'a fait des statues aussi n'est-ce pas sur toute colline abver lui même l'a fait bagarre aussi des collines abver et puis Jéroboam même a frappé a fait des veaux des bagarres ça veut dire que chaque monde a travaillé non bagarre ça veut dire qu'a fait bagarre El Shaddai par la mort encore à Jérusalem ni dans la tribu du sud qui c'est deux tribus Juda Benjamin avec quelques lévites ni dans la tribu du nord qui c'est Azer Zabulon Issachar et Nephtali Gad
et Ruben Siméon distribue ça yo et mais pas grand faire des El Shaddai la donne El Shaddai ratiboisé blié oublié des cœurs côté nous dit la cinquième année du règne de Jéroboam Shishak roi de d'Égypte t'est monté contre lui a expliqué ça qui t'est passé il dit que le reste des actions de Jéroboam Jéroboam avec tout Jéroboam t'est toujours en guerre donc Israël contre Israël sont en schisme ça veut dire une coupure c'est le chaos qui dans mitan yo et mais pas allant pas de bon donc nous mes amis nous sont ça Josué était dit dans Josué 23 verset 15 il dit eh bien, El Shaddai lui-même, dans Josué chapitre 23, verset 15, Biodarbi, il dit ni bonne parole, ni mauvaise parole, El Shaddai a accompli, mais il a d'ailleurs. Écoutez, nous voyons dans Somme 78, verset 58 à 59, côté, et lui-même encore, et David t'a écrit, il dit il irritait par leur haut lieu, et David qui écrit ça, c'est Salomon, il dit il irritait par leur haut lieu, et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu et El Shaddai étendit furité et repoussa fortement Israël. Eh bien, ma petite bagarre. Nous avons été, monsieur qui t'a écrit en série de bagailles, les Ecclésiastes, en série de Sommes, et puis nous avons que les fils d'Aza t'a écrit l'autre bagaille, tout. Nous avons que l'autre monde, c'est pas Salomon avec David seulement qui t'a écrit, les fils d'Aza, les fils d'Aza, tout le monde ça y est. Ben, c'est ça qui t'a bagaille. Bon, mes amis, peut-être que j'ai un pile d'histoire, on va faire couper avec deux terriens. Et qui ça, lui, Belmonte dit. Lui-même dit, tous les livres sacrés en démontrent l'écueil. Le plus grand ennemi de l'orgueil, c'est l'orgueil. Donc, nous voyons que c'est tout pour nous, c'est pas orgueillage. Hein? Orgueil, parce que, moi, je qu'on y a fait ça, me voulait. C'est l'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Donc, il dit, tout livre sacré, non, parmi les livres sacrés, la Bible, c'est yon, la Vega des Indes, et toute qualité, livre, tout livre sérieux, c'est bagage. Et, n'est-ce pas? Et un paquet là-dedans, et c'est des livres sacrés que relie, la Bible, tout ça. Eh bien, il dit qu'on s'accueille tout, et tout le sa montre comment orgueil sa orgueil fait. Eh bien, nous, encore, dans, et qui sa Anne de Baratin dit, il dit, la fierté s'appuie sur des raisons, l'orgueil sur des sottises. Donc, la fierté, c'est une raison pour capable fier, mais l'orgueil là, lui-même, c'est sottise, seulement qui fait la donne, qui sortit la donne. Et qui sa Oscar Wilde dit, bon, parce que, n'a pas dit barat positif, on dit barat négatif, on dit tout. Qui sa Oscar Wilde dit, il dit qu'on s'accueille aux yeux de quiconque a lu l'histoire, la désobéissance est la vertu originelle de l'homme. La désobéissance a permis le progrès, la désobéissance et la rébellion. Donc, Osra Wal dit comme ça que depuis le monde est monde, c'est désobéissance qui a commandé, nous capable pas prendre la parole à Adam et Ève. Mais lui-même, il dit comme ça que désobéissance aide dans le progrès. Tout. Pour lui-même, son progrès, parce que j'ai mon été capable ouvert, contrairement à en tout cas, ça, c'est mal de faute qui te vient des mal de peine qui fait nous venir mourir aussi. Bon, mais Osra Wal dit comme ça que c'est j'ai. Monde qui ouvert les gains des obéissances depuis l'origine, non? Eh bien, il dit encore que progrès, il mène un progrès. Bon, ça veut dire que c'est lui-même qui a écrit. Hein? Et puis la désobéissance et la rébellion. Il dit, ça veut dire que toute bagarre, ça veut désobéissance mène un progrès. Il mène un progrès. Donc, il mène tout. Et puis, bien souvent, tout, il mène un problème. Et nous sommes capables à travers toute lecture nous fait. Nous voyons que, en pile fois, c'est dada qui calé, c'est des problèmes. Donc, même avec vous, la morale de l'histoire. C'est fait un peu qui t'impuis, c'est ça fait maman qui a dit là dans cette télévision bien coûte là, parce que moi déjà attaqué 37 minutes. Donc, elle m'a dit que nous pouvons parler dans un roi chapitre 13-14, côté c'est la débandade du troupe, côté nous voyons que Jéroboam a commis mal de faute par dans la zone sud là, dans la tribu du sud qui s'est Juda Benjamin avec tout quelques faux filages de Lévites. Et puis, nous voyons que côté là, fait des statues, des hauts lieux pour capable adorer d'autres divinités, pour capable bailler et chadaille. Et pas être pour montrer Shaddai que vous parlez encore. Eh bien, côté Shaddai fâché avec elle, côté il passe à la casserole, après 17 ans, côté il était toujours un problème avec Jéroboam, avec l'autre bagarre, et puis Shaddai était toujours voué des rois en face, parmi lesquels Shishak de l'Égypte, pour craser Dadal, pour faire connaître que il pas avec elle encore. Eh bien, on commet un mal de faute, ma calédado avec mal de ben, ou bois ma prend parti pâle dans le sud là. Et bien, côté Jéroboam lui-même a frappé aussi dans le nord, avec les distributs. Et puis, côté, il a fait toute qualité de bagaille, et non seulement lui-même, il travaille et activement dans l'hôtel El Shaddai. Côté qu'on a là, on prophète sorti dans Juda, dans zone Jéroboam, là, le pote message dans zone nord là, bas Jéroboam. Et bien, on l'autre, un vieux prophète, qui a agi de manière mécanique, ça veut dire que par routine, vexé parce que à ma barbe, ou vient rentrer là, ou saute juste côté sorti, comme s'il y avait plus de prophètes dans le nord, ou vient porter ma message, et bien, ou pas fait ça encore, mais il était créé un mensonge, il était inventé un bagage. N'est-ce pas? Eh bien, il était balé, les mêmes prophètes, là, même encore, qui pas sûr de message, première, là.
de première main que le territoire dans El Shaddai là quoi que tu gagne baga qui déjà manifesté à travers prophétie ça et mais il était quitté le piégé par vieux prophète ça capable de manière mécanique par routine non et mais il était quitté que et prophète ça baga et puis prophète ça t'est venu dire comme ça que pendant à manger à table mais qui ça El Shaddai dit que m'a prati boiseau m'a tué ou pas gagne entrer la caillou alors grand pile monde qui connu vexé comment fait que et même vieux prophète ça que El Shaddai servi avec nous dit que El Shaddai t'est servi avec coq pour être capable de faire chanter pour être capable de rappeler Pierre mal de faute que tu as trahi Jésus Yeshua il était servi avec chevaux bala cheval avec âne de Balaam faire le parler il était dit encore de ces pierres s'il capable de susciter des enfants Abraham il capable de faire Pierre et roche et prêcher et même on dit que dans sa souveraineté il est capable d'utiliser n'importe bagarre ça fait relève le souverain bien ça veut dire qu'il est capable d'utiliser toute bagarre qui est à sa disposition pour capable faire une bagarre donc on dit que c'est ça qui fait ça que c'est peut-être ça que il était utilisé vieux prophète mécanique que l'était le rejeté d'antan qui déjà gagné approbation du roi Jéroboam de concert avec Jéroboam qui fait ça pour l'aider Jéroboam dans cause lui mal en cause malhonnête qui c'est l'idolâtrie mais moi avec cousin aujourd'hui avec tout Oscar Wilde Anne Baratin Louis Belmonte et qui était comme était rien ça qui était à parler que l'orgueil qui ça l'orgueil capable de faire et puis nous capable voir aussi qui ça désobéissance capable mener nous à qui ça capable mener nous c'est à la perdition donc même avec vous c'est la morale de l'histoire c'est un peu pour nous faire pour nous quitter un peu pas penser que nous faut passer depuis ces monde pas penser que nous spirituel passer depuis ces monde n'attendez mais n'appépurer parce que El Shaddai dit nous sonder les esprits pour nous écouter au sorti et surtout dans monde n'a vivre dans là côté il était fait non des il était quitté des signes avant coureur il était dit que au dernier temps après en pile faux prophète après en pile hérésie après en pile comment on t'a dit ça imposteur des monde qui a venu Matthieu 24 c'est pas moi même hein et Jésus-Christ Yeshua avant d'aller cap dit ça cap venir cap déguiser en ange de lumière pour capable ba nous des bagages sont des esprits pour ne pas dire mais El Shaddai a dit pour dire ou t'es fini faire vous El Shaddai a dit en peut-être qu'il a changé d'idée moi plusieurs fois il pas changé d'idée comme ça l'elle fin dit un bagage il campait sur lui le plus souvent hein sont des esprits pour nous bagailler et puis aller dans les annales de l'histoire pour nous tout ça c'est en premier aussi par lui même il campait l'on vient demander il dit on fait fort vrai mais bon alfel et puis l'indien est ouais donc capable boire le fameux Akab et nous capable boire encore Balaam nous capable boire toute histoire ça et puis pour faire ça même avec vous en veille en prier pour ne pas tomber dans tentation et dans problème pour dada nous pas caler la paix avec vous shalom en prier pour capable mettre fin à vidéo ça rédempteur adorable immortel invisible papa dans moment ça grand Dieu trois fois saint et El Shaddai dans moment ça m'a venir côté au moins merci pour tout ce fait pour tout ce a commencé pour tout ce commencé pour tout ce a fini parce que non c'est l'alpha et l'oméga dans moment ça va drainer oreilles nous il va donner conscience nous va faire nous capable chercher esprit de discernement pour nous capable courber devant pour nous capable jeûner prier pour nous capable retirer tout orgueil toute bagarre qui mettait une brise une séparation entre nous-mêmes et nous-mêmes et nous-mêmes et faire nous capable continuer et servir en espoir en vérité pour ne pas quitter les choses de ce monde corrompre nous pour ne pas quitter bagarre qui pas fait sens qui des choses périssables jouer des bagarres dans la vie nous mais pour nous capable continuer selon Jean voulait pour les nous ou venir dans parousio Yeshua pour capable venir au bonbon moi pour ça c'est pas parce que moi bon dit mais c'est pas mérite tout Yeshua qui vit dans le siècle des siècles amen je vous aime ciao shalom.